Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 4ème épisode de A Dance of Fire and Ice. La dernière fois on avait donc terminé le monde numéro 3 avec une précision de 95,89 et aujourd'hui on va donc pouvoir se lancer sur le monde numéro 4. Les triangles sont des triolets. Donc on va commencer directement avec le niveau 1. C'est parti, hop. On lance. Et du coup, c'est 16ème, le nom du niveau. Ok. Polyrythme. Ça peut être trop dur celui-là. Spaghetti. Ok. Les triangles sont des triplés. Les triplés et un breakbeat. Ok. Lettre d'amour. Aïe 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 aïe, 45% complété. Ah, ça pique un peu. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Je suis arrivé, j'ai pas me fail. Oui! C'est vrai que je peux valider. Voilà.
Et du coup, à 100%, plus 5, plus 0,51. J'ai fait mieux que le monde numéro 3. C'est cool. Oh, supplémentaire. On va aller checker avant. Du coup, on peut mettre ça. Allô? Le vert, on va le mettre en vert un peu plus foncé. Voilà, on va pas changer trop. Et supplémentaire, du coup, normalement, une collaboration avec Projet Arrhythmia. Donc, du coup, c'est des montres supplémentaires. Donc, ça, on les fera mais plus tard, quand on aura vraiment fini le mode histoire. Concept de niveau. Ouais, bon, voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Bref, voilà. Hop, c'était Killer Sandu, je vous dis à la prochaine. Allez, allez, à plus.